Hey, salut tout le monde, c'est Alex Yuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! Stardust Accelerator. Toujours se recoiffer avant un bel épisode. Oh voilà, magnifique coiffure, hein, comme d'habitude. La coiffure du clochard. Bon, du coup, on s'apprête à faire notre premier tag duel. Hop, on va faire ça. On va mettre déjà... On va déjà se mettre sur cet écran-là pour mieux voir le duel. Et on va avoir notre tag duel. Je ne sais pas ce qu'il joue, Blister, par contre. Ça va chauffer. Alors. Plan Morphtronic. Donc lui va toujours jouer son deck Morphtronic un petit peu modifié. Je ne vais pas commencer, hein, ça va être le Blister. Il joue un deck Mechabot. Il joue un deck Mechabot. Moi j'imagine un tireur d'élite, ok. Il va attaquer et après mettre des épées de révélation lumière. Ok, un planchon. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Les épées de révélation lumière. Qu'est-ce qu'elle va nous jouer par contre? Oh non! Oh non, un deck cancer. Non, non, non. Messager de paix. Allez, top deck violent orage. Je m'en fous, top deck violent orage. Je m'en fous des épées de révélation lumière. Oh. Le top deck du violent orage. Allez. Typhon l'espace mystique. Cette carte de merde. Cette carte de merde. Hommage torrentiel et voilà. Bon, on a fait un petit clean de board quand même, hein, un bon petit clean. Du coup, on va aller chercher niveau 7. Oui, de quoi aller chercher un niveau 7. Hop. Commandant psychique. On va ensuite invoquer. Non. Invoquer par synchro notre vitalisatrice. Vitalisatrice psychique. Voilà, invocation synchro. Hop, on invoque la vitalisatrice psychique. Activer l'effet de la carte. Bon, non, pas ouf. Quoique, on s'en fout en vrai. Hop, allez, on va attaquer son monstre. Déjà, le fait d'avoir balancé 5 cartes sur 12 cartes qu'ils avaient. Sur 12 cartes qu'ils avaient au début du duel, c'est-à-dire que chacun avait eu 6 cartes parmi nos adversaires, on a détruit 5 cartes magie ou piège. Ça c'est un gros avantage. En plus on a détruit un monstre, il y a la moitié de leurs cartes qui sont parties. Donc c'est très très bon. On va activer l'effet de la vitalisatrice psychique pour retirer du jeu notre commandant psychique et récupérer 1200 points de vie. Voilà. Et on va à une phase. Voilà. Monster Reborn, tu vas ramener... Tu vas ramener ça. On ne fait rien d'autre, hein. De toute façon ça ne sert à rien. Il le met en mode défense. Oh, casse-toi toi, téléphone morphtronique. Fais un 1 et arrête de me faire chier. 4. Ouais. Non, il a une fusion surcharge. Me dis pas qu'il joue Cyber Dragon, Chimera Attack Over Dragon dans son deck. Ce serait quand même un petit peu chiant. Attendez, attendez, on va activer... Il y a une tâche sur mon bureau, je viens de le remarquer. Mais ça, on s'en fout. Hein, on va détruire déjà sa carapace cachée. Oh, un petit typhon d'espace mystique, hein, bon. Mystical Space Typhoon. Oh, Cyber Phoenix. Bon, lui, lui, je crois que c'est pire. Hein. Niveau carte. Ok. Il avait quand même beaucoup mieux, hein, niveau carte. Après, à mon avis, il va vouloir détruire, voilà, l'appareil photo. Comment il s'appelle? Photon Morphtronic. Photon Morphtronic. Qui va ramener le planchon Morphtronic. Ouais, je pense qu'il l'a laissé puisqu'il sait de toute façon que les monstres en face ne sont pas très forts en mode attaque. Mais on ne sait jamais, avec Luna, elle peut piocher quelque chose qui peut valoir le coup.
Déjà, elle sacrifie deux monstres, donc là, ça me rassure à moitié. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Qu'est-ce qu'elle fait avec un grand dragon d'or? What the fuck? Permutation de créature, top deck, permutation de créature. Allez! Allez, permutation de créature, top deck. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh Jesus! Oh! 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 Putain! Ça, bon, voilà. En plus, je suis même pas cocu, j'ai pas de copine! On s'en bat les couilles! Allez, boum! Bon, moi je suis heureux. Je suis heureux. Je pense que le karma me rattrapera un jour, mais clairement, je pense que je vais aller jouer au loto. Hein. Je vais aller jouer au loto. Allez, on va réinvoquer nos germes géantes. Oui, et oui. Et on va lui faire 3000 points de dégâts en plus. Clairement, le pauvre petit, les pauvres petits gars en face. Ah non, mais ce... Les deux top decks, il me fallait ces cartes au bon moment. Et on me les a données. Violent orage, permutation de créature. C'est insane. C'est insane. Je suis tellement chanceux. Sur ce coup-là, j'étais tellement chanceux. Oh merde. C'est ouf, c'est ouf. Et là, il top deck un violent orage. Je me fous à poil, hein, si il top deck un violent orage. J'ai vu une carte magie, j'ai eu peur. Bon, petite union fait la force, hein, au KLM. Après, si la force de miroir, ouais, voilà. Pose des monstres face cachée en mode défense plutôt. Voilà, force de miroir. Fallait s'y attendre quand même à un moment. Alors, bon. Fallait s'y attendre. Pas de no susai. Par contre, la force mécano... Je suis pas sûr que ce soit le plus ouf. Hein. Bon, en tout cas, ça va. Si, de toute façon, il va devoir détruire mes germes géantes hein, s'il veut avancer. Donc, il lui restera 100 points de vie. En plus, il perdra 500 à chaque germe géante. Faut juste lui faire quelques dégâts et ça passera bien. Donc, on va mettre la germe géante en mode attaque. On va mettre le guerrier satanisateur en mode attaque. Battle phase. En plus, il se laisse faire, hein, puisqu'il a mis trop... Flûte d'invocation Kuribo. Oh, chiant. Oh, chiant. Chiant, quand même, un petit peu, là. Tu fais un peu chier. Du coup, une phase 2. Bon non, on va faire une phase tout court. Hein. Même s'il peut aller chercher ma germe géante avec son photon morphtronique, ça me pose pas de problème. Frondon. Ah, peut-être que s'il active ça, ça va pas activer. Je sais plus. Si elle est détruite de toute façon. Et cette carte est détruite, est envoyée. Ouais, bon. Il restera 600 points. Allez, un monstre à 1800, mon... Vous avez vu mon genou. S'en fout. Putain, mes cheveux, c'est pire en pire. Faut que j'aille chez le coiffeur quand même. Hein. Mm-hmm. Bon, là, c'est bon. Il met un rat géant. L'union fait la force. L'union fait la force. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des coéquipiers comme ça? L'union fait la force. On aurait terminé ce duel instant. Quand même. Monster Reborn. Oh, oh non, mais sérieusement. Mais sérieusement, tu te fous de ma gueule aussi là. Putain, on aurait gagné. S'ils arrivent à remonter. 2200, sérieusement. Non, mais s'ils arrivent à remonter. Clairement, je lui en voudrais hein, quand même. Hop, mode défense. Enfin, on pioche. On va poser ça. On va poser ça. On va poser ça.
Et on va une phase. On est dans le mal. On est dans le mal. Bon, il va nous mettre peut-être un truc en mode attaque. Il y aurait 400 points, ça se trouve, elle va... Ils ne vont pas tenter le diable. Il y a un petit peu trop de points d'attaque, à mon avis, le monstre. Bon, de toute façon, en fait, non, ils ont pas de monstre, de quoi. Cyber Phoenix. Cyber Phoenix. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Non, mais j'aime pas jouer avec des bots en tag, putain. Regardez ce qu'ils font. L'union... Ok. Regardez ce qu'ils font, sérieusement. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ça? Allez, mets-nous un monstre qu'on puisse terminer ce duel, là. On t'inflige 400 points. Putain. Ouais. Sélectionnez un de votre deck et ajoutez-le à la main, c'est ça? Puis ajoutez-le à votre main. Oui, commandant Covington, c'est nul. C'est nul. Ils ne vont... De toute façon, ils vont pas invoquer de monstre. Ils vont peut-être en placer face cachée, mais ils ne vont plus invoquer de monstre. Ils vont pas courir le risque d'utiliser... payer 400 points. Hop, de ouais, subir 400 points de dégâts. On va poser ça. Et end the phase. Ouais, de toute façon, il va rien faire. Hein. Allez, vers Apocalypse, on va détruire sa carte face cachée. Destruction. Hop, détruire. On va détruire ça. Allez, dis-moi que t'as un truc pour faire des dégâts. Il va équiper ça au Rageant. Vous allez voir, il va équiper ça au Rageant. Mais il est tellement débile! Putain, mais ça sert à rien ça, qu'est-ce qu'il fout? Il est trop con, il est trop con. Bon, bah, il place des... Il pourrait mettre au moins le Cyber Phoenix face cachée, au moins il pourrait permettre... Il pourrait piocher une carte. Lorsque cette carte... Ah non, il faut qu'il soit en mode attaque pour que je puisse piocher une carte. Bon, au moins, ça l'incite à aller chercher le Rageant. Est-ce que ça a une réelle valeur d'utiliser ça? Fantasin mécano? Non, pas du tout. Hein, ça ne sert à rien. Et là, en fait, il aurait laissé l'union fait la force face cachée. J'aurais pioché un monstre. Voilà, Drilloid. Du genre. Et ça me, ça nous aurait permis bah, d'avoir un gros monstre. Mais bon... Avec 2400 points d'attaque en plus, Rageant aurait été à 3800, on aurait gagné. Et de toute façon, il fallait mettre l'union... Non mais le gars quand même, il n'a pas mis l'union fait la force alors qu'il pouvait terminer. Donc miss létal quand même. Et il pouvait mettre l'union... Et il a mis l'union fait la force quand le Rageant était en mode défense quoi. Ou je sais même pas le Rageant, c'était autre chose. Mais à un moment... Ouais c'était le Rageant, et il avait fait violent rage. Vas-y, mais un truc. Mais il met toujours pas le Cyber Phoenix. Cyber Phoenix, c'est en mode défense. C'est en mode attaque. Il... Lorsque cette carte face recto attaque ou est attaquée, détruite. Ouais. Non, c'est n'importe quelle position. Donc il pourrait piocher une carte. Bon, son dragon pourra juste aller chercher un monstre par tour. Permutation de créature, ce serait bien. Ouais, top deck permutation de créature, s'il vous plaît. Ouais, non. ça ne marche pas à tous les coups. Non, il n'y a rien d'autre. On va laisser ça comme ça. Hein. Un magnifique duel. Magnifique duel. On est à combien de temps? 14 minutes. On va faire un épisode avec ce duel. Alors qu'on aurait pu le terminer il y a 5 minutes. Ouais, ça me rappelle Tag Force. Ça me rappelle Tag Force quand je rageais avec des bots débiles qui jouaient avec moi. Ouais. Vraiment. Allez, laisse-moi piocher. Ah bah non, ça va être le tour de mon pote. Mon pote le débile. Waouh.
Puissance de guerre. Et il va mettre enfin le phénix, le cyber phénix, ou ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il veut nous tuer ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il a mis tous les monstres en mode attaque! Mais à quel moment? À quel moment? Ah bah vas-y, 2400 points, gratuitement, tout va bien. Non mais... C'est mes please. Mes please. Allez, vas-y, pioche une carte. Drilloïde, pardon. C'est la dernière fois que tu me fais ça, mon pote. Hein. Bon, si je peux t'appeler mon pote déjà. Puisque là... En plus, Big Bang. Big Bang, il l'a pas voulu le garder. Ça aurait pu être... Ça aurait pu servir, mais bon. Il n'a pas voulu. Et là, il a montré que notre monstre était full nul. Full nul. Il l'a mis en mode attaque, je crois que sinon il n'avait pas beaucoup de défense. Ok, bon, ça. Ça, oui, ça, oui, ça, oui. J'espère juste qu'il va placer un monstre en mode défense à un moment. Non, Drilloïde ne sert à rien. Ok. Il va attaquer Drilloïde. Ça me va. Ça me va. Alors j'espère qu'il va placer le Drilloïde en mode défense. Sinon ça va être full débile. Ou commando Cunnington, je m'en fous l'un des deux. On va essayer, il faut faire dégâts perso de 400 points. Hein. Il faut qu'il mette un monstre full débile en mode défense, full nul. Et on fait dégâts perso, on termine ce duel. Gemini Elf. Je le maudis. Je le maudis. On va perdre. On va... On avait gagné. Top deck Steamroid. Steamroid, ça me sauve. Des démons méga cyber. Un monstre à 1900, please. Putain. Allez, on va... Putain, non, mais je peux pas. Une phase. On a perdu. Ça me casse les couilles, ça. À cause d'un débile. Putain, je suis trop deg. Vas-y, attaque avec ça. On n'a pas perdu si... Il se trompe. Ah, vas-y. Oh, je suis trop deg. Je suis trop deg. Fils de pute. J'ai... Tournoi tag. Mais jamais de la vie je me mets avec lui. Jamais de la vie je me mets avec lui. Vous avez vu son putain de deck? Vous avez vu ce putain de cerveau? Bonus tag. Ah, ah, ah. On a gagné. C'était drôle. Et toi, Alex? Bref, mais je suis toujours avec Luna. C'est ennuyant. Et j'en ai assez de toujours m'occuper de toi. Quoi? Vraiment, ça me fatigue. Vous êtes plein d'énergie, les enfants. Bon, Alex, t'as compris les règles du tournoi, du tag duel? Pense au tournoi aussi. Pas de partenaire, hein? Si on cherchait dans Daemon, je suis sûr qu'on trouverait quelqu'un. Oui, allons-y, Alex. Ta mémoire va peut-être te revenir durant un duel, qui sait? Tu peux rejoindre la ville en te dirigeant vers l'ouest depuis Daemon. Tu sais l'endroit où se trouve toujours le vieux garde. Allons visiter le stade. Bon, je rentre. À la prochaine. Ouais, c'est ça. Mais toi, casse-toi. Moi, je plus jamais je te parle. Hein. Toi, mon pote, parlez. Il a gagné. Ok. Mes merveilleuses cartes. Ne les plie pas et ne les brûle pas. Bon, je vais rejoindre les jumeaux et on terminera l'épisode ici. Allez, on se casse. La nouvelle zone. Oh, nice. Parlez. C'est vraiment une ville animée. On doit jamais s'ennuyer. C'est de là que je viens. Hein. Ouais.
Je viens d'ici d'ailleurs. Bon. Il n'y a pas de caisse qui traîne. Non. Alors, la Golis. Ok, plein de pubs. Hey yo, toi tu fais peur toi. Des caisses, des caisses, des caisses. Il y a un flic ici. Parlez. Oh, on dirait Aster. Guiado. Au-delà, c'est l'autoroute. C'est tout prêt maintenant, donc garde tes distances. Ok. L'autoroute, hein, il y a un accès comme ça. Alors, on va mettre en vue comme ça. Oh, on aurait dit Edo. Edo Phoenix. Aster. Ici, il y a quoi? Bonjour, toi. Parlez. La ville New Domino est la meilleure, non? Très bien. C'est ouf. Ok, quel est cet endroit? Oh, je peux passer là. Oh, le stade. Le stade. Le tournoi attaque va bientôt commencer. Les candidats sont priés de venir s'enregistrer auprès de moi. Donc il faut que je trouve un partenaire. Attendez, attendez. Faut que je retourne ici. Je suis sûr qu'il y a des caisses. Je suis sûr qu'il y a des caisses. Non. 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 Bon, il n'y a pas de caisses. On va sauvegarder. Je revérifie juste le temps de vidéo. Qui est... ouais, ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vais essayer de trouver un partenaire pour le tournoi tag d'ici là. Et sur ce, je vous donne à tout le monde à la prochaine. Bye.